Eh ben Charlotte, salut! Oh, salut Romain! Ça va? Ouais! Justement, tu tombes bien, il fallait que je t'appelle! Ah, ok, bah je t'écoute! Palmarès de l'immobilier! Oui, j'y pensais d'ailleurs, c'est toujours en décembre! Le 5 décembre au Carrousel du Louvre! Ouais, pendant le congrès de la FNEM! Absolument! Ok, super! 9e édition cette année! Waouh, déjà! Ouais, okay. Ça va vite! On a des petites nouveautés par contre, il faut que je t'en parle! Ok! On fait payer les inscriptions cette année! Elle est top ta nouveauté, ok! Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer! Trois informations essentielles. Okay. La première, c'est qu'on remet à chaque participant un kit de communication. Ah, ça c'est bien. Ouais. Deuxième information, on fait une journée coaching et de formation en septembre. Oh, je sens que tu vas m'appeler en mois de septembre, non? Oui, mais on s'en parlera plus tard. D'accord. Et la dernière information, c'est qu'on reverse 10% de nos inscriptions à la Fondation I Love You, tu connais? Ah bah, je connais super bien, alors ça bravo, c'est une belle initiative. D'ailleurs, je connais bien parce qu'il y a Jean-Luc Brulard qui travaille ici, c'est un des cofondateurs de la Fondation, donc j'ai rendez-vous avec lui justement pour autre chose. Donc j'y vais parce que je suis en retard, mais on s'appelle, on super. En reparle, ok? On fait comme ça, salut maman. Bon Jean-Luc, merci de me recevoir dans ton agence. Mais merci à toi Romain. Donc je viens de voir parce qu'on prépare le palmarès de l'immobilier qui aura lieu en décembre cette année. Et puis 10% des inscriptions iront directement à la Fondation I Love You. Alors beaucoup d'entre nous connaissent déjà la Fondation, mais j'aimerais que tu nous parles des dernières missions que vous avez pu accomplir grâce à la Fondation. Alors écoute, l'aventure dure depuis 8 ans. On est sous l'égide de la Fondation de France. Les opérations de collecte de dons, puisque c'est notre vocation de mobiliser les professionnels de l'immobilier, de l'habitat et à travers eux du grand public pour collecter ces dons, sachant qu'un euro collecté est un euro reversé aux associations qui travaillent sur le terrain. Et pour répondre à ta question, les dernières opérations sont par exemple les deux pavillons qu'on a aidés à refaire avec la Fondation Action Enfance pour les enfants en région parisienne. Et puis là, plus récemment, actualité oblige, une opération spéciale qui s'appelle I Love Ukraine pour collecter des dons, là encore, pour aider les associations qui, elles, travaillent sur le terrain pour l'hébergement de tous les réfugiés ukrainiens. Bon, en tout cas, Jean-Luc, merci à toi, bravo, et bravo aussi à tous les bénévoles qui œuvrent pour la Fondation. Un petit coucou, on embrasse Isabelle Larochette, bien évidemment. Rendez-vous à Paris pour le palmarès, ce sera le 5 décembre prochain. Salut à tous et à bientôt. Et surtout, merci à toi Romain, mais merci à toute l'organisation du palmarès de l'immobilier, c'est vraiment super ce que vous faites. À bientôt, salut. Il faut absolument que je t'en parle. Ouais, bah alors vas-y. Donc. C'est top. Et bah c'est...